Salut à tous, aujourd'hui phase de préparation, on va faire un ragréage dans cette pièce plus dans deux autres. Nettoyage, passage du primaire, allez, on y va. Alors première phase, on va bien dépoussiérer, bien balayer. Maintenant, je vais passer le primaire qui va permettre l'accroche de notre ragréage sur le support ancien. N'oubliez pas de raboter vos bas de porte avant de faire votre ragréage. Alors, pour préparer mon ragréage, 6 litres d'eau, les 6 litres mesurés. Un mélangeur. Un sac de ragréage. Et on mélange longuement jusqu'à obtenir une pâte très homogène. Une fois que le mélange est prêt, on va verser le mélange. Comme c'est un autolissant, il va avoir tendance à prendre la forme tout seul, mais bien évidemment, on va le guider avec un platoir flamand. Faire épouser tous les reliefs de la pièce. La première passe, on va tenir le platoir à 45 degrés pour bien lisser et puis ensuite à plat pour faire une surface bien plane. Voilà, donc fini la pièce qu'on a montrée au début, la cuisine. Et bien on va laisser sécher 48 heures.